Venne la spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se tu sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino e spezzò il pane, per chi dicevo sei con fame. E fu il calore di un momento, poi vedi di nuovo verso il vento, poi vedi di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria già dolore, è già l'impianto di un aprile, giocato all'ombra di un cortile. Dans le cadre du 11e Festival des Italiennes, la ville accueille les photographies de Sylvia Reichenbach à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Artiste professionnelle, Sylvia Reichenbach a réalisé des autoportraits baptisés « Beauté scellée ». Après quelques mois d'interruption, les Italiennes, qui à certains temps on aurait pu penser qu'elles pouvaient s'arrêter, eh bien non. Les Italiennes vivent encore et ce soir on peut encore le constater. J'ai été effectivement sollicité pour reprendre la présidence. J'étais certainement très inconscient et insouciant de prendre cette présidence. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très 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 heureux parce que ça m'a permis de faire la connaissance de beaucoup de personnes, des gens talentueux déjà, au niveau artistique. Sur Clisson, on me dit qu'il y a beaucoup d'artistiques, mais là, vraiment, j'ai fait leur connaissance et je suis vraiment surpris et bluffé, quoi. Donc, nous inaugurons une exposition sous le titre « Beauté scellée ». C'est une série d'autoportraits réalisés par Sylvia Reichenbach à l'automne 2007. Cette réalisation est le résultat de deux volontés qui se sont conjuguées pour aboutir à cette exposition. Je veux parler de celle de Michel Merlet, qui avec opiniâtreté a réussi à rassembler des partenaires, et de la vôtre, Madame Reichenbach, qui avait accepté nos rendez-vous différés pour venir à Clisson travailler avec des jeunes du Collège Cacault et fixer les images toujours furtives que notre cité offre à qui veut bien l'admirer. L'éclairage, l'angle de prise de vue, la sélection des éléments sont autant de paramètres qui expliquent l'unicité des clichés. Mais surtout, ce qui caractérise votre exposition, c'est la mise en scène de vos photographies qui donne à lire de multiples façons les espaces de notre quotidien. C'est là la force de l'artiste de transformer le quotidien en œuvre d'art. Votre travail aujourd'hui exposé assure le lien symbolique entre la visite de nos amis d'Alatri et le Festival des Italiennes qui va renaître sous une autre forme dans 15 jours. Nous allons vivre toute cette période, non seulement avec notre architecture à l'italienne, mais avec la sensibilité exprimée d'une artiste qui vit à Turin et le plaisir de la rencontre avec nos amis italiens d'Alatri. Je vous remercie. Pour reprendre des symboles photographiques, hein, puisqu'on a beaucoup joué sur les mots avec Sylvia depuis un moment, et on a vu qu'en photographie, le résultat de cette exposition, c'était pas seulement une épreuve photographique, mais c'était une épreuve dans tous les sens du mot. Et tous les bénévoles qui, avec nous, ont travaillé sur cette exposition, se sont tous professionnalisés. Dans le document ici, j'ai parlé de rencontres. Et ces rencontres-là ont commencé, je l'ai dit, au niveau de l'histoire de Clisson, par les frères Cacault qui ont rencontré le mot. Et s'il n'y avait pas eu ces gens-là, eh bien on ne serait pas aujourd'hui ici avec des amis d'Alatri probablement. Et on n'aurait pas ce cadre italien ici. Donc c'est vrai que monsieur le président d'Office de Tourisme me rappelait tout de suite qu'il n'y a pas que notre culture locale, c'est aussi un élément de découverte pour beaucoup de gens. Ces rencontres-là sont vraiment des moments privilégiés pour tous, hein, et pour ma part, ça fait 40 ans que j'y crois, et je pense que je souhaite qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais pour les 40 prochaines années. Donc en tout cas, merci d'être venu, et puis j'espère qu'on vous a donné du plaisir pour cette visite, et j'espère que vous saurez en donner d'autres et dire aux autres que c'est vraiment très intéressant. Et tu del tempo non sei più signora.
sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare.